Bienvenue à tous, bienvenue à toutes à cette nouvelle séance sur ma chaîne YouTube. Donc bienvenue sur la chaîne Super NES 6. Alors déjà pour commencer, merci à toutes et à tous d'être là, vous pouvez vous applaudir. Alors je suis très content qu'il y ait autant de personnes. Alors déjà c'est important pour moi parce que je fais ce genre de séance privée, on peut tous venir voir un film ensemble tout simplement parce que ce genre de les avant-premières et toutes ces choses-là, c'est pas forcément accessible à tout type de personnes, toute couleur de personnes, toute religion, voilà, on s'est compris. Donc du coup moi c'est important de faire ma petite séance privée avec des personnes qui parlent comme moi, qui me ressemblent ou pas, et qu'on puisse tous se mélanger. Et donc du coup, vraiment, je suis hyper content que vous soyez tous là. Pour ceux qui ne sont pas habitués à faire des séances privées avec moi, qui n'ont pas fait Spider-Man ou Jujutsu Kaisen, c'est simple, on est ici entre fans, il y en a qui n'ont peut-être jamais vu les autres Marvel, je ne veux pas savoir qui vous êtes parce que je vais vous détester directement. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est juste, voilà, vous êtes plusieurs dans cette salle, tout ce que je vous demande, c'est que, un, le film est en anglais sous-titré, donc si vous ne savez pas lire, c'est le moment de sortir, ça c'est la première chose. La deuxième, ça veut dire que si vous parlez, vous allez en faire chier certains, dont moi. Donc s'il vous plaît, respectez tout le monde. Il va se passer des trucs où il y a des gens qui vont crier parce qu'ils vont être hyper étonnés de ce qui se passe. Parce que c'est, voilà, c'est comme dans un match de foot, sauf que c'est plus intéressant. Et du coup, donc, il va y avoir des réactions, c'est tout à fait normal. On est dans ce type de salle-là, donc si vous étiez en mode « Non, moi, je préfère quand la salle, c'est en mode bibliothèque, personne ne parle et tout », ça ne va pas être le cas. Par contre, parler, ça ne veut pas dire « Je raconte ma life, ah, j'ai oublié de te dire, ce mec-là, il m'a regardé là tout à l'heure, il m'a demandé mon snap », ça, ça ne fonctionne pas ici, d'accord? Donc ça, je m'en fous de quel quartier vous venez, quel âge vous avez, est-ce que vous avez des enfants, quoi que ce soit, je m'épose, c'est cinéma ma mère, je vous sors. Comme ça, vous savez, d'accord? On n'est pas là pour ça. On est là pour s'amuser ensemble. Donc, s'il vous plaît, respectez la séance de tout le monde. On est là pour kiffer, mais s'il vous plaît, respectez. Si ça parle trop, ça l'est. On est OK? Tout le monde est OK avec ça? OK, parfait. Juste quand même, vite fait, sans trop regarder. Qui a au moins regardé Doctor Strange 1? OK, maintenant, on va faire l'inverse. Qui n'a pas regardé? OK, d'accord. On fera une sadaqa à la fin, on fera des dons. On vous fera des dons à la fin, d'accord? On vous donnera l'argent de l'Eid. OK. Ensuite, j'aimerais vraiment qu'on puisse applaudir hyper fort le White Cinema pour ce qu'ils permettent de se faire aujourd'hui. Comme d'habitude, je ne sais pas pourquoi ils ont confiance en moi. Mais au final, vous êtes tous là aujourd'hui, donc tant mieux. Aujourd'hui, on est plus de 120. Il y a eu des gens qui ne sont pas venus. Ça fait de l'argent dans ma poche, tant mieux. Étant donné que je ne gagne pas d'argent en faisant cette salle, comme ça, vous savez bien, vous payez tous 10 euros, d'accord? Il n'y a rien dans ma poche, c'est juste, on s'amuse ensemble. Donc, ceux qui me payent sont ceux qui ne viennent pas et qui ont payé une place. Ensuite, j'aimerais également qu'on puisse applaudir, s'il vous plaît, les gens qui font en sorte qu'on puisse avoir une vidéo de qualité à la fin, dont Abdel, qui est juste ici derrière la caméra, vous pouvez l'applaudir. Et donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable séance, kiffez bien. Et donc voilà, merci à toutes et à tous et bon film. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Après avoir visionné ce Doctor Strange 2, je me devais de faire cette vidéo seul. Nous avons passé une séance agréable, nous avons vu le film, c'était sympa. Maintenant, je suis chez moi. Je fais cette vidéo bien après le tournage de cette séance privée Doctor Strange 2, tout simplement parce qu'il m'a fallu du temps pour réfléchir, du temps pour me remettre en question, du temps pour essayer de comprendre ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé, du temps pour savoir si aujourd'hui je doutais ou non de l'univers Marvel, du temps au temps, car il est important de se laisser du temps. Il était tentant pour moi de faire cette vidéo, tant j'avais de choses à dire. De temps en temps, il faut comprendre qu'il est préférable d'attendre avant de faire une vidéo. Bien que l'esprit n'était pas au maximum, bien que face à mon envie, j'ai été comme un combattant, car je voulais faire cette vidéo. Aujourd'hui, je vais prendre le temps d'essayer de vous expliquer pourquoi je n'ai pas aimé Doctor Strange 2, pourquoi il m'a laissé un sentiment d'aigreur, un sentiment
d'inachevé. Alors Doctor Strange 2, c'était un peu comme voir une adaptation live de Scooby-Doo. Il y avait une enquête et on savait qu'à la fin, c'était pas un vrai monstre. En gros, on n'en avait rien à foutre. Je me suis retrouvé à voir Doctor Strange 2 s'amuser, se balader d'univers en univers, à la manière d'un cartoon. Comme si on ne prenait pas au sérieux ce magicien qui, comme disait Tony Stark, « Qu'est-ce que tu fais ? Des animaux avec des ballons ?» Paix à son âme. Hash Tony Stark. Aujourd'hui, à froid, je peux vous dire à quel point ce film m'a ennuyé. D'ailleurs, en plein milieu du film, je me suis demandé est-ce que j'étais vraiment en train de me faire chier ? Oui. Est-ce que j'avais envie de sortir mon téléphone ? Oui. Est-ce que mes amis et leur timeline sur Instagram avaient l'air plus intéressante ? Oui. C'est vous dire. Donc, il y a des défauts à ce film. Il y a également des qualités. Mais vous ne me regardez pas pour connaître les qualités des choses. Vous me regardez pour les défauts. Car vous savez que je suis un vrai connard. Du coup, Doctor Strange 2, si je dois résumer un peu toutes ces choses qui n'ont pas été, on peut dire que Doctor Strange a la puissance d'une sombre merde. C'est-à-dire que, à part faire des petits boucliers ou jeter des notes de musique au visage d'un autre, il n'est pas puissant. Est-ce que le combat Wanda, quand elle attaque Kamartage, on était sur un film des années 90 mal fait avec un personnage qui vole dont on voit les câbles? Oui. Est-ce que Sam Raimi était incroyable sur le film? Non. Est-ce qu'il y a plein de gens qui vont dire que c'était incroyable? Oui. Mais rappelez-vous une seule chose. Vous pouvez posséder un hara bleu. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un hara bleu, il s'agit d'une sorte de perroquet. D'ailleurs, personnage principal du film Rio, car on reste bien sûr dans la cinématographie. Vous pouvez avoir un hara bleu dans une cage. Ça reste un oiseau dans une cage. Sam Raimi était un oiseau dans une cage. Il y avait des belles choses. On s'est rappelé qu'en fait, une caméra, ça pouvait se bouger. Pas que des plans fixes. Mais à part ça, c'était pas incroyable. Est-ce que on était investi émotionnellement avec ce personnage? Absolument pas. On n'en avait rien à foutre. Est-ce que la série What If nous a montré ce qu'on pouvait faire avec le multivers? Oui. Est-ce que Multiverse of Madness nous l'a montré? Non. Est-ce que le fait de nous ramener les Illuminati et d'avoir l'impression qu'en fait c'était une fête 10 ans après ta 6e secondaire où en fait tout le monde se revoit pour se raconter sa vie et où tu vérifies qui a réussi ou pas sa vie et qu'en fait les 5 seuls qui viennent sont ceux qui sont au chômage? Oui. Parce que Captain Marvel, vous me ramenez l'autre là, j'en ai rien à foutre. Qu'on se le dise. Sorcier suprême, vous me ramenez Mordo, j'en ai rien à foutre. J'étais surpris par le fait que vous ayez ramené Flèche Noire. Je ne pensais pas que vous le rameneriez. Les 4 Fantastiques, c'était sympa de voir Krasinski en tant que Monsieur Fantastique, puisqu'on le voulait tous. Mais est-ce que vous pensez que ce sera lui dans le prochain Les 4 Fantastiques? Cela m'étonnerait. Et ce serait bien dommage, car du peu de phrases qu'il a dit, ben, j'ai trouvé qu'il parle super bien anglais. Parce qu'en fait, j'ai rien pu voir de lui. Est-ce que le fait de ramener Professeur Xavier était vraiment stylé? Oui. Est-ce que on va le ramener encore après? Franchement, au vu de quoi il ressemblait dans le film, on a encore de la chance, il a encore envie d'ici là. Ce film était tout simplement sans queue ni tête, puisqu'au final, on nous a ramené une meuf qui s'est voyagée entre les univers, qui avait du mal à gérer son pouvoir. Et tout ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a dit « Ah, si tu veux gérer ton pouvoir, il suffit juste qu'il y ait un zombie qui te fasse un clin d'œil. Va te faire enculer, Docteur Strange. À quoi tu sers? T'as rien appris, tu n'as pas évolué. Et puis en termes de pouvoir, Wanda, elle t'a mis la pâtée, en fait. Parce que dans le premier film, c'était sympa, t'apprenais, t'as gagné parce que t'étais rusé face à Dormammu. Dans Avengers Endgame, tu t'occupais de la chasse d'eau,
t'as pas combattu, mais tout ce que t'as fait, c'est gérer une eau qui arrivait, juste faire ça avec tes mains. Et maintenant, dans Docteur Strange, ben, tu fais des boucliers. Et tu cours. Et tu cours encore. Est-ce que j'aurais préféré voir l'arc entier du Dark Doctor Strange qu'on a vu dans What If? Oui. Car là, Doctor Strange, on était investi émotionnellement. Il y avait une évolution du personnage. Et surtout, il y avait le potentiel de pouvoir que pouvait avoir un Doctor Strange. La phase de combat avec les notes de musique, j'ai beaucoup apprécié visuellement. Est-ce que j'ai trouvé ça cohérent? Absolument pas. Tu me mets ça dans un manga et tu me dis « Ouais, ce mec-là, son pouvoir, c'est les notes de musique. » Je te dis « Ok. » Tu me ramènes deux mecs qui ont des super pouvoirs illimités et ils jettent des notes de musique. Bah, t'es enculé. Désolé, je parle très mal. Peut-être des enfants qui regardent cette vidéo. Il est important de se dire quand même qu'on a regardé un film qui n'avait absolument aucune incidence, ni sur ses personnages principaux, ni même sur l'univers du MCU. Loki nous a fait croire qu'il y aurait une incidence. Loki aurait dû être dans ce film. Loki n'est pas dans le film. Là, on nous dit que les réalisateurs voulaient mettre Deadpool, voulaient mettre Ghost Rider, etc. On s'en fout. Moi aussi, à mon anniversaire, je voulais inviter Will Smith. Mais je ne le connaissais pas. Et en même temps, à ce moment-là, il giflait un autre mec. Donc oui, on aimerait beaucoup de choses dans la vie. Nous, ce qu'on voulait, c'était un bon film. Et c'est pas ce qu'on a eu. Est-ce que je doute du MCU aujourd'hui? Oui. Est-ce que je ne comprends pas la direction dans laquelle elle va? Oui. Ou plutôt, il va? Oui. Dans tous les cas, tout ce que je dis pour l'instant, c'est que c'était en série que ça se passait, le MCU. WandaVision, sympa. Winter Soldier et le Faucon est très très bon. Loki, très très bon. Moon Knight, excellent. Hawkeye, va te faire foutre. What If, excellent. Le MCU se passe là. Pour les films, mais Black Widow, on s'en bat les yeux. De toute façon, elle est morte. Il y a eu quoi? Shang-Chi, intéressant. On verra quand il y aura un 2. Il y a eu quoi d'autre? Spider-Man? Super, mais ça a beaucoup joué sur la hype. Et en vrai, MCU ou pas, il peut exister tout seul. Les Éternels? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Moi, je dis oui. Tu me l'enlèves, est-ce que ça me fait mal? Non. Donc là aussi, je m'en bats les yeux. Je viens de voir les bandes-annonces de Miss Marvel et de She-Hulk. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc voilà. Il y a plein de choses à dire, hein, comme par exemple le compositeur de la musique, Danny Elfman. Monsieur, il est temps de remarquer au bout d'un moment que vous êtes sourd. Parce que il va falloir me dire depuis quand on n'avait plus fait de thème musical intéressant. Parce que là, en fait, on n'a rien entendu. Rappelez-vous que Doctor Strange 1 avait un thème musical intéressant, qu'on ne retrouve quasi plus. Il y a des gens qui sont targués de dire « Oh, incroyable, quand le professeur X arrive, on entend le thème de X-Men du dessin animé des années 97. 97 pour les Français qui regardent cette vidéo. » Je sais pas. Je l'ai pas entendu. Peut-être qu'en fait, c'était un moment où je me faisais grave chier. Ce film aurait pu être meilleur. Il aurait pu se passer beaucoup de choses. Est-ce qu'on est capable, nous, de faire un meilleur film? Peut-être pas. C'est pas parce que je sais pas faire à manger que je mangerai de la merde. Ça, c'est pour tous les gens qui pourraient dire « Vas-y, fais mieux !» Vous arrivez même pas à faire des... J'allais aller trop loin. Je reviens. Cette vidéo est probablement trop longue. Il y a peut-être des gens qui sont partis. Mais en tout cas, si vous êtes partis, pour de bon, faites-moi signe, d'une manière ou d'une autre, que je puisse vous rayer de ma liste. Car oui, j'ai une liste de gens que j'attends de voir mourir. Maintenant, il y a des gens qui se disent « Haha, hyper drôle !» Et puis il y a ceux qui me connaissent qui disent « Haha, hyper glauque !» Car ils savent que c'est la réalité. Je vais m'arrêter là.
Car en vrai, il y aurait tant de choses à dire, mais je suis sûr que plein de youtubeurs l'ont déjà fait. Donc tout ce que je vous demanderais, c'est de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Car, certes, vous avez des yeux pour regarder mes vidéos, mais sachez que vous avez des mains et des doigts pour pouvoir commenter. On se revoit très bientôt pour une nouvelle séance, probablement la Jurassic World. D'ailleurs, pour ceux qui veulent prendre des places, c'est encore ouvert. Et puis, je vous prépare des petits cadeaux. Car au fond, même si je suis un connard, je suis un mec sympa. Tchuss.